Salut à tous, c'est Harmonium, petite partie avec ETC sur Heroes of the Storm. Donc là, ça devrait être pas mal. Allez, Lunara. Bon là, on est un petit peu submergé par Zagara. Hein. Donc, pour tenir une ligne, ça va être un petit peu dur. Ce qu'il faudra, c'est essayer de la tuer. Avec Zeratul, soit prêt. Cassez-vous. Zeratul, je sais pas trop ce qu'il a fait, ok. Allez, allez, allez. Non, il attaque Falstad, lui. Là, si on a un mauvais focus, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. L'autre, on la voit. Et... laisse peut-être, direct. Peut-être elle qui a fait une erreur. C'est sûrement elle qui a fait une erreur. Faut pas qu'il meure, faut pas qu'il meure. Ah bah non, deux mecs à nous qui se sont fait tuer. Seulement il y aurait quelqu'un qui peut les... J'aurais pu y aller mais... je préfère pas prendre de risque. Ils sont allés chercher une fontaine les gars. Moi je vais essayer de pas crever, hein. Je suis guerrier. Les gens ont besoin de première ligne. Surtout si l'objectif, on va les payer ou un truc comme ça, les gemmes. Important. Ah oui. Il est dans le pétrin lui. Okay, on peut se le faire, on peut se le faire. Hein. Parce que son bouclier s'active. Le qu'il a du lag. Ça, si le mec il lag, ça va être chaud. Hein. Prendre une fontaine. J'ai pas trop envie de laisser Zagara seul au milieu, faire sa vie et qu'elle pète toutes les tours. On va les payer. C'est un mec vient, on le défonce. Ok, je vais intervenir. Ok, très bien, c'est super. Zagara est morte. Faudrait tuer les gars du haut. Hein. Ils ont pris les mercenaires chez nous. Ah ça, c'est chaud. Hein. Les mercenaires, les 4, en fait. Qui c'est qui a pu les prendre en early comme ça? Bourbi, peut-être, avec quelqu'un. Il a dû payer Bourbi pour faire ça. Non? Ah, je sais pas du tout. Alors lui, voilà. Voilà l'erreur du débutant. Hein. Voilà, le mec il a fait une charge. Un petit coup de repousse et puis c'est terminé. Voilà, ouais. Il était chez nous en train de se faire tirer dessus par les tours. Faut qu'on aille payer là. Je m'en charge. Il y a Zagara qui nous envoie de la saloperie. Ok, alors là elle est morte. Elle est morte, elle est morte. Voilà. Non, non. Ne tuez pas Raynor, ne tuez pas Raynor. Je peux faire une glissade dans une seconde, là. C'est chaud, c'est chaud. Barrons-nous, barrons-nous. Retraite. Qui s'appelle Odin. Pas me le dire deux fois. Ok, ok. On se tire. Nous devrions attaquer cette position. Ouais, je vais déjà... je repaye déjà. Il a pas payé? C'est dommage, il avait le temps. Hein. C'est comme si j'y étais. Ouais, le problème, c'est que les mecs vont arriver. C'est sa destinée. Je pense pas que Raynor va y arriver. Je vais mourir, je vais mourir.
Je vais essayer de me la jouer. Ah bah, j'ai plus de mana. Ils vont pas me laisser partir. Borrez-vous. Ouais. Les gars, ils voulaient ma peau. Hein. Il va se faire tuer. Non ? Vas-y, il faut vite que j'arrive. Ah, les tours sont vraiment pas très efficaces pour... Ils vont être niveau 10. Je me régène un peu quand j'aurai le pogo. C'est une chance de retourner la situation. Mais comeback, c'est toujours possible. Je suis en sécurité là. On est aveuglé, baron. Nous, ce qui serait bien, c'est de profiter de notre niveau 10 et que si on paye avec les gemmes, on aura les tistoiles qui vont arriver. Il n'y a personne sur la ligne du bas. On perd de l'XP. Faut qu'on soit niveau 10. Ok, on a notre histoire. Notre histoire plus le niveau 10. Ça pas grand chose. Si si, c'est pas mal. C'est pas mal, ça l'a retenu. Ils ont fini par le stade. Sinon j'avais plus trop de vie, je savais pas trop quoi faire d'autre. Hein. Alors là oui. Alors là c'est bien, si c'est bien. Franchement, ça les a totalement. Ils savaient plus trop quoi faire en fait. Quand on a attaqué le mec du haut, Falstad il est revenu en arrière pour essayer de l'aider. Il s'est senti un peu coupable, il s'est dit bon, je vais pas le laisser crever. Finalement il est mort aussi. Bourbi il push énormément. Chez eux par contre. Ça c'est un problème. Faut qu'on le tue. Voilà. Le problème il va revenir dans 5 secondes. Prenons les mercenaires, très bonne idée. Non, là, on n'a pas réussi. L'aveuglement de zone, c'était bien joué. Est-ce qu'il va y arriver? Ah merde. Dans le poisson. Ils sont en train, ils sont sûrement en train de payer. Oh, yeah.
les 30 gemmes à mon avis, c'est pas mal. Moi j'ai peur qu'ils payent par contre. Non? Ils sont en train de faire le boss, c'est obligé. Je vais aller voir. Ah ouais, ils sont en train de faire le boss. Alors là, si on arrive à le ninja... Oh oui, 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 oui. Alors là, on leur ninja le boss. Plus nos tisquels qui sont lâchés. Lui, on le ken. Là, c'est beau, là. Si elle s'approche encore, elle est morte. Voilà, c'est fini. Voilà. Voilà, une erreur. Là, c'est vraiment quelque chose de fantastique qui se passe. Là, c'est le gros comeback. On push avec le boss plus les 10 toiles. Hop, alors lui, voilà, je le mets dans le stun. Une glissade. Il est mort, je suis sûr qu'il est mort. Obligé. Voilà. La charge de Artanis, hein, je la trouve très mauvaise, personnellement. Alors là, ils suicident tous un par un. Hein. C'est un petit peu la panique chez eux, ils comprennent plus rien à ce qui se passe, j'imagine. Faut qu'on fasse gaffe, nous aussi. Parce que ça peut vite... Non, c'est risqué, c'est risqué. D'habitude, j'y serais allé, mais là... Non, 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 je peux pas laisser les gens mourir. Je peux pas. Qu'est-ce Azeratul est mort. Moi, je la finis, moi, je la finis. Non. Pas réussi. De toute façon, j'aurais jamais pu fuir contre Falstad. On a quand même vraiment fait une percée énorme en haut de la ligne là. C'est bien parti. Bon, les tissus à l'ennemi arrivent, on va rester tranquillement. Là, faut que je fasse attention, Lunara. Hein. C'est un perso qui a pas beaucoup de vie. Take care. Aucun risque, surtout. À la fin de la partie, les tendresses sont plutôt longues. Faut faire vraiment gaffe. Ah, bah alors là, GG Zera. GG Zeratul. C'est du GG. Là, on fait le pogo. Voilà. Lui, il va essayer de prendre ma place. Faut essayer de tuer Sonia. Je préfère tuer Sonia que Artanis. Ok. Artanis, il a son bouclier. Et puis je m'en fous un petit peu de sa vie, hein, personnellement. Donc, il est moins dangereux à lui tout seul. Là-bas, il y a Bourbi. Il va sûrement essayer de push un petit peu comme il peut. Faut faire gaffe avec son stun. Ça peut être dangereux. Est-ce que j'ai le temps de péter? Non, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas eu le temps de sortir. Ah, là, Lunara, elle se sent plus. Là. GG, GG. On se fait Zagara, à mon avis. Même pas le temps de faire une glissade, pour vous dire à quel point elle est morte en 2 secondes. Le bon vieux James Raynor qui devient fou. Ok, là-bas il y a de la baston. J'ai peur du stun, hein. Lunara elle se fait stun. D'ailleurs si elle se fait stun, je vais péter le poisson. Hein. C'est le poisson qui fait mal, donc... sûrement pas. Je me fais défoncer. Barrons-nous, barrons-nous. Il va s'envoler, il va s'envoler. Et ben moi, j'irai pas là où il est. Je fais le pogo, je fais le pogo.
Ça peut pas faire grand chose, mais... Je vais me faire stun par Bourbi, je vais mourir. Oh bah alors lui, merci. Merci Artanis, merci beaucoup. Tu recevras ton chèque à la fin du mois. Là, il vient de me sauver la vie, à moins que Bourbi arrive à me choper. Voilà, voilà. Voilà, alors voilà quelqu'un qui veut poursuivre quelqu'un qui a plus beaucoup de vie. Et qui est mort, lamentablement. C'est toujours comme ça que ça... Le mec, il se dit GG. On va lui mettre GG aussi, lui faire plaisir. Elle a jamais poursuivi un mec à 5% de vie chez lui. Alors lui, il se poursuit à vie. Il faut que... Ah, dommage. Bon, on va faire les mercenaires. Il en restait un. Oh ouais, on remet ça. On va payer, on va payer. On n'a pas assez de gemmes par contre, je crois. Elle a un peu de gemmes, elle? Non. J'espère qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Parce que j'y suis pas, là. Les Zagarak, j'ai abîmé un peu. Juste pour la faire chier. Pour lui montrer que... Voir Tani, je vais le tuer, là. Il saoule un peu le gars. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Est-ce qu'il a déjà joué son personnage? Il fait la charge de façon vraiment très dangereuse en fait. Hein, pour lui-même, hein, je veux dire. A chaque fois qu'il a fait la charge, il s'est mis en danger terriblement. Quoi. Alors là, faut qu'elle sorte de chez elle. Elle sort de chez elle, elle est morte. C'est dommage. Lunara, faut qu'elle se casse. Lunara. Oh, il me fait peur, Muradin. Il me fait peur. Casse-toi. Vas-y, saute sur lui, Sonia. Non? Ok. Il a une grosse survie, Muradin. Hein. Il va déjà être full life dans 2 secondes. Donc, Nous devons battre en retraite. Bourbi n'a pas son ultime, d'accord. Voilà. Je dis on pêche au milieu. C'est bon, si le poisson a pété. Ok, on l'a pété. Lui il meurt lui. Voilà qui est terminé. Bourbi, alors là, oh là là, la vague de la Tistwell qui a défoncé tout le monde. Juste énormissime. Vas-y, vas-y, Falstad, avance un petit peu mon pote. Normalement c'est gagné. Moi je focus leader. Tout le monde devrait faire comme moi. Je l'ai fait un peu chier. Je tape bien l'idole, je tape bien l'idole, je tape bien l'idole. Ok GG. Et voilà une partie gagnée vraiment énorme. Vraiment sympa. Un comeback intéressant. Donc, voilà. Donc si la vidéo vous a plu... mettez un pouce vert et puis voilà, partagez-la s'il vous plaît, tout ça. Suivez-moi sur Twitter, Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis voilà. Merci beaucoup, hein. À la prochaine.